Le thème choisi aujourd'hui correspond à une préoccupation de nos adhérents, de nos partenaires. Au fait, il s'agit de répondre à une question importante qui se pose aujourd'hui. Comment tirer parti du BIM pour améliorer nos processus de production, nos relations de travail et intégrer pleinement cet outil en phase conception, phase réalisation et puis en phase exploitation des projets. Effectivement, aujourd'hui, le BIM, qui est une avancée technologique importante, est perçu de deux manières. D'abord, c'est une chance, comme je l'ai dit, pour pouvoir développer nos activités, augmenter en qualité, mais c'est aussi perçu comme une complexité de deux manières, parce qu'elle nécessite une réorganisation interne de notre façon de travailler, notre organisation de travail, mais aussi une mutation importante de nos relations, de nos interactions avec nos partenaires de projet, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les autres prestataires intellectuels tels que les architectes, mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, nous tâcherons d'initier une réflexion pour pouvoir ébaucher une procédure, une démarche à destination de nos adhérents, mais aussi de nos autres partenaires, pour mener à bien ce processus d'intégration du BIM et en tirer le maximum.